Voilà, le micro est mis. On sait que c'est un bon micro. Parce que le micro est revenu. Faut se poser. Faut se poser. Faut se poser. Voilà, là c'est clean. Là c'est clean. Il a décidé d'aller sur Dreamland, je sais pas c'est qui s'avantage le plus entre les deux. Mais une chose est sûre, c'est que Rayshot en ce moment il domine le terrain. T'as tendance à dire que le meilleur combat de nœud dans le port d'esprit alors que c'est plutôt Corwin qui a difficile l'avantage, ça va être en fonction de Corwin. Je peux me tromper avec le mort là, mais. Tout à l'heure qu'on a notre hype comme une théorie tout à l'heure servait à rien. On aurait pu dire n'importe quoi, on aurait pu dire que c'est pas de moins intelligent, ça aurait passé pareil. Ah non, c'est sûr. Bon, le voyage c'est connu sur un lancement. L'humour qui est vraiment, très très endommagé. Oh, crème le pin n'a pas tué. Oh, ça va le tuer. Est-ce que leur chaud? Ah, ben oui, leur chaud. C'est quand même des intégrations. Ouais. C'était même pas négociable. Comme Richard qui a pas peur d'aller in, même s'il est quand même assez. C'est bulbé raisonnablement. Ouais, mais le sac d'avant, c'est mon vie. Ouais, c'est ça. Oh, Holy One vient de perdre son mauve. Je serais attendu à quelque chose, un setup avec le mauve, mais. Oh, ça va mieux pour Rayshot que pour Holy One dans cette game-ci. Je sais pas, c'est peut-être les plateformes aussi, vu qu'il avait été sur FP. Ouais, il n'y a rien pour protéger. Je pense que le mort, il est performé aussi. Je sais pas, les plateformes, je serais porté à dire que ça facilite peut-être un petit peu le landing. Eh bien, les deux ont des kills chauds. Ah, c'est bon, ça n'a même pas été long. Un PN qui n'a pas PN, mais qui a plutôt un tip. C'est terminé. Ok. Théoriquement, c'est. Voilà. C'est 1 à 1. C'est bien un 2-3 ou c'est un 3-5? C'est loser semi. On l'a mis. C'est un 3 de 5, c'est bon. C'est marqué loser semi. Donc, là c'est du hard stuff. Les deux ont décidé d'aller sur line. One way or another, il va avoir du gang. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression, ce stage-là. Tu sais, il gang en tant que tel, puis ça permet de ça donne un gang pour le pin de Corwin en plus. Mm-hmm. Lightbox en haut, ça couvre énormément en plus. Je me demande si les deux ont vraiment haut, si pas, il y avait plus de pin. C'était quasiment craintif. Pas de Pikmin avec un humor, un solo mort. Non, c'est pas grand chose avec ça. Mm-hmm. Nerf, jab, ouais, c'est uniquement ça que t'as permis quand t'as rien avec un mort. Fait que c'est quand même assez dommage. Moi, ouais, il y a le mot. Oh, deux mots. Ça, c'est une bonne. Ça c'est savoir un la bon maudit, là. Ouais, c'est un bon setup. Puis en plus, c'est un blanc, c'est pour les domaines. Mm-hmm. Mais c'est quand même, je dirais que c'est quand même assez épeurant pour Rayshot, malgré qu'il vient d'en perdre un. Ouais. Parce que, quand même, le mot je le sais pas, mais. Ça peut être le break, ça peut voir les. L'impression qu'il y a des affaires intéressantes à faire avec deux mots, surtout pour le kill power. Sinon, les autres sont plus avantageux pour ça, là. C'est surtout parce que le mot permet de faire des kills assez early. Game est quand même assez even, quoique. Je crois que c'est à l'avantage de Rayshot. Même plus à l'avantage de ce qu'on pourrait croire. Ouais, il y a plus de kill power que de mort.
c'est ça, malgré qu'avec des mauves. Malgré avec un mauve, ouais. Des mauves éduqués par l'arme aussi. Ah, il en perd un, mais bon. Il y a le bleu pour les 7 ans. Il y a encore un peu par contre de plus en plus. Là, je me questionne, il y a de la rage pas mal. Ah, ok, ouais, je m'y attendais. C'était un ou l'autre allait faire un kill show. Ça y va gros avec des kill show, ouais, j'ai l'impression, ouais. Au lieu d'essayer de janker avec la highlap. C'est pas ça qu'on veut, non? Ah, mais ouais. J'admets que personne veut ça, mais. Non, mais on veut du jank. Ouais, mais yeah, c'est tout le temps drôle, un peu de jank. Ouais, ben ça, voir Rachet. Oh shit, ça c'était jank. Ça c'était jank, mais bon. C'est pas l'Highlat, c'est juste Karin qui a poulé avant de la plateforme. Je pense qu'il a mis un double coup avec le Dance Smash, ça aurait fait 30% peut-être. Oh, déjà, le mot, il a quasiment tué en back-end. C'est bon. Là, ça c'était le mot aussi. Ouais. Ça a même pas négocié, c'est terminé. Tu peux ajuster le score. Oh, non. Ouais, On peut voir que Rachet, il est bon avec ses combos. Ouais. Il shine au wide ace. Ok, il a encore un stage qui marche. Mm-hmm. Pas juste le carré qui va faire ça. Ouais, mais Olimar aussi, c'est très... Il peut mixer avec les plateformes. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Mais reste que c'est quand même assez vulnérable de recover un stage avec Olimar, j'ai l'impression. C'est un bon recovery, mais... Évidemment, si ton adversaire, ça va sa rapidité. Une grande influence. Mm-hmm. Ça va pas bien pour Hollywood. Le chat qui essaye pas de jouer vers Ember, c'est. Au fond, il essaie de garder le stage control le plus possible. Il veut tuer les Pikmin avec des Nether Green. Et ça marche en symbole. Mais le Pikmin bleu est immunisé. Ah oui, c'est immunisé ouais. À ça. Particulier. C'est pensé comme une attaque pour eux. Je pensais qu'il était. Ça m'étonne. Ouais. Je sais pas, j'aurais quasiment pensé le bleu immunisé à l'aura. Je pense que l'aura y'a pas d'éléments. Mais... Salut Guillaume. Hey, salut Guillaume. Donc, un peu plus de mots. On va voir si Rachel est capable de scier la stock. Parce que tantôt, ça doit prendre un scénario, puis c'est fait tout en premier, puis ça. Et ces scénarios-là, je m'attends quasiment à ce que Rachel le grab puis hop chou. Ok. Hey, on dirait que t'as regardé l'écran. Ah non, on dirait là, mais il y a rien des kills avec des hop chou, on dirait. Ou des pins. Des pins, des pins pepper. Bon, le Smash a barely survécu à ça. En ligne, c'est quand même assez égal. Je me demande si Rachel va prendre davantage un petit peu sur le fait qu'il y a une stock d'avance. Oh! Le beau follow-up. Des stocks, des games, hein. Et là, c'est Rachel qui a l'air d'avoir légèrement le lead dans ce game-là, mais. C'est trop tôt pour dire. Que par rapport au. Des pourcentages de Pikmin blanc. Là, on voit que Hollywood il joue extrêmement défensif. Rachet qui essaye de gameplay avec son Neutral B. Dragon. Dragon Lunge, c'est le film. C'est un mélange, c'était Dragon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Counter, c'est Dragon Surge, me semble. Dragon Surge, ouais. Counter Surge. Counter Surge. Bon, ça va. Ok, là, c'est Dead Even. Ouais, c'est vraiment très, très évident. Sauf que là, Hollywood a un avantage du terrain. Mm-hmm. Rachet a par contre l'avantage du poids. Parce que, on s'entend, Hollywood, il meurt quand même assez early. Ouais, top bottom 5 du wave. Mm-hmm, ça va être pas. Puis Rachet, il y a le même poids que Mario.
Et ça, ça fait... Je sais qu'il y a, il y a une bonne survivabilité. Bon, il reste planté là, c'est pas de bon. Les mind games. Là, c'est perfect, là. Oh, c'est... Ouais, là, là, c'est... Du walling, plus... Là, s'il veut kill, il y a le bon setup. Il a tué le bleu, par contre. Mais il y a encore le wall. Il y a le rouge. Ben, le rouge aussi, c'est un killer aussi, mais plus physique. Oh. Rachet qui a l'air de s'en prendre au Pikmin jusqu'à il meurt. Oh mon dieu, ça ferait quasiment renverser. Là, là, c'est vraiment. Oh, si bon! Quand on parle d'une game. D'une game serrée, là, c'est très très serré. Là, là, c'est last game. Là, les derniers deux stocks qu'il va avoir, puis. On va déterminer si il va gagner, puis il va aller affronter X-Note en Losers Final. Il essaie de counterpick sur. Oh, c'est pas loin, ouais, c'est Town and City. Ah, c'est quand? Je m'attends à dire que. Ouais, hey, c'est une petite top, là, c'est ça. Ouais, grand, c'est vert, vert. Ouais, je suis plus si grand, mais je trouve que. Moi, en fait, j'aime trop qu'est-ce qu'il se fait avec. C'est ce que j'ai réussi à faire. Moi, souvent, j'aime gros les personnages avec un projectile chargeable. Que je peux garder comme un réserve. Ok, moi, j'ai un chargeable, mais pas en réserve. Ouais, il y a ça, là, c'est ça que j'aime. Même là, il est bon pour Wall-E, mais... Ouais, c'est pas... Zelda manque d'options. Mais bon, je vais retourner au match, ouais, parce que c'est vraiment, là... Dead Even encore. Ouais, Dead Even, là, c'est... Écoute... Ouais, un des deux va gagner. C'est ça. Un des deux va gagner, puis... Oh, oh c'est hey, crème. Je m'attendais à ce que le Counter Jank fasse... fasse de quoi, en plus, sur ce stage-là. Les deux, à mon avis, doivent... va vouloir faire des push-ups et tout, là, grâce à ça. Parce que je sais que Rachet peut tuer avec son affaire à partir du haut. Puis Olimar, Olimar, je sais pas, là, Smash peut-être, mais. À partir de quoi tu parles? J'en ai aucune idée en fait. Olimar. J'ai vraiment suivi ce que tu dis. Dans le fond, je me demande comment Olimar peut se servir du low ceiling. Ok, ouais, offer. Offer? Je connais pas tant les sites. Mettons, si t'es high-end, si t'es grave, tu vas faire offer, si t'es hard, tu vas faire back-end. Je m'y attendais tellement, mais. C'est un des deux qui l'avait. Ouais, c'est ça, c'était qui pour y aller avec le kill show. Les deux ont demandé d'avoir un kill show assez. Tu sais, similaire. Sauf moi que... je parle avec le bleu, là. Ouais, c'est ça, c'est la condition, là, qui est le bon. Le bon Pikmin, c'est ça. Fait que je dirais que Corinne t'a avantagé pour juste le, en termes de kill flow. Ouais, en termes de kill flow, puis surtout en termes de offer qui est quand même assez efficace avec Corinne. C'est une bonne weapon. Oh, ah. Le kill flow. Pas gagné, tu vois. On peut-tu négocier avec toi? On va trouver des négociations. Ah, t'es pas sérieux, man. Comment ça? Bon, retour au match. Bon, je regarde un peu. Il a plus raté. Ouais, ouais, c'est crème. J'ai pas regardé 3 secondes, pis ça va vraiment pas dans l'avantage à Liwan. Il va devoir faire un huge comeback. Ah non, la game était scellée. Une bonne net trap de Corinne.